Allez, bonjour à tous et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Banished saison 3. Et donc dans la dernière vidéo, je vous avais laissé, on avait fait pas mal de choses, on avait fait d'ailleurs des choses qui ne servaient à rien comme un corral. D'une manière générale, on avait fait pas mal de trucs. Je pense qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée, il y a toute la partie à gauche de notre village qui n'est pas encore utilisée, on va le faire. Et c'est directement dans cet épisode. Allez, c'est parti. Allez, nous revoilà à Coquinterville. Donc, je vous avais laissé, il y avait toute la partie à gauche ici, là, où on avait encore rien foutu, alors qu'il y a du potentiel. Il y a clairement du potentiel, on peut faire pas mal de choses. Ils sont en train de faire croître ici. On a des petits problèmes de cailloux, mais bon, les cailloux, j'ai envie de dire, c'est bon. Là, c'est bientôt construit, donc il reste pas grand chose, c'est un abri de cueilleurs, donc c'est vrai qu'on avait encore des cueilleurs à faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a une école, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que on va pouvoir avoir des étudiants. On en a déjà quelques-uns. Alors attendez deux secondes, est-ce que je vais éternuer ou pas? Il semblerait que non. Bon, donc alors on est bien. Nourriture très faible encore. J'aime pas du tout quand la nourriture atteint zéro. Bon, on a un abri de cueilleurs, donc ça va bientôt, ça devrait normalement faire quelque chose, mais ça m'énerve un peu quand même qu'on ait jamais de nourriture en stock. Pourtant, c'est pas bien compliqué. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué d'avoir un peu de nourriture en stock. Ce qu'on va faire, je regarde un petit peu les bâtiments qu'on pourrait faire. Peut-être qu'un... Non, un puits, c'est un peu exagéré. Un hôtel de ville, les vers statistiques à propos de production de ressources reste disponible. Une église. Le cimetière, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un cimetière ici. Je peux mettre un cimetière chez eux, mais sauf que j'ai pas de cailloux. Évidemment. Ah, on a un nouveau travailleur. Sachant qu'on a plus besoin de bâtisseurs. Ils sont où les cueilleurs? Hop, au moins deux. On a assez de maisons ici, je suis pas sûr, hein, que 3 maisons, c'est pas fou. Hein. Ouais, c'est ça, bûcheron, on en a ici. Ouais, ça va. Bon. Quand bien même, je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être qu'on va faire un hôpital. Comme ça, au moins, ça sera fait. Un hôpital par ici. 78 de pierre, quand même. Ah ouais, c'est pas rien. C'est pareil. Je vais regarder d'abord, savoir dans quel sens je le mets. Il est possible que l'hôpital soit légèrement trop grand dans ce sens là. Ouais, il est trop grand. Il est trop grand, tandis que dans ce sens là, je pense qu'il y a pile la place pour mettre une maison derrière. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on balance un hôpital ici. Bon, avec un chemin évidemment. On a un nouvel étudiant, c'est cool. On balance un hôpital. Oh, on a énormément de nourriture stockée, ça fait plaisir. C'est parce qu'il y a les récoltes qui sont passées. C'est toujours bien, quand il y a des récoltes, ça fait toujours bien plaisir à une certaine période de l'année. On est bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser tourner un petit peu le jeu le temps qu'on récupère la pierre, etc. Je vous retrouve dès que ça commence à construire, je pense que c'est une bonne idée. Bon, alors, la construction est lancée. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai vraiment plus de cailloux, hein, j'ai vraiment plus rien comme cailloux. J'ai un petit souci, du coup j'ai lancé une nouvelle maison, mais il va falloir que j'en lance plusieurs en fait, parce que en fait quasiment tous mes étudiants sont, enfin tous mes enfants sont soit devenus des étudiants, soit devenus des adultes. Et donc on commence à avoir un petit problème démographique, il n'y a pas assez d'enfants qui naissent. Dans l'idée, il faudrait avoir 5-6 enfants toujours en permanence. Là, on n'y est pas vraiment. On n'y est pas vraiment et on risque d'avoir un problème démographique à un certain moment. Donc tant pis, hop, une maison supplémentaire, j'ai pas assez de pierre mais c'est pas grave. On va trouver de la pierre quelque part. Presque plus de place, pourquoi? Ah putain, ah oui c'est vrai que du coup j'ai énormément de nourriture. Ce qui est une très bonne nouvelle mais en même temps ce qui me met un peu dans la merde. Grange, on va y mettre une grange ici. J'avais dit que j'en mettais une ici, ça serait quand même plus pratique. Surtout que par ici on va mettre un nouvel accès à une nouvelle ville par ici. Où cette fois-ci ça sera plus trop un accès à la forêt, ça sera vraiment autre chose. Je pense qu'on va le mettre par ici.
Voilà, donc à partir de ce niveau-là, on va faire autre chose. Ouf, faut que j'ai mis un peu la vitesse, je suis allé un peu trop vite. Eh, merci. Donc, voilà, c'est bon. Nous avons notre comment ça s'appelle là? Donc, notre médecin, enfin notre hôpital. Donc normalement, on devrait augmenter la santé moyenne. Le moral est pas foufou. Hein. Le moral est pas foufou. Il va atterrir en chute libre une fois qu'on aura nos premiers morts. Bah, atterrir en chute libre, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. C'est pas grave. Donc, finis-moi ça. Ok. Là maintenant, faut finir ça. On n'a plus de cailloux. Je suis dans la merde. Dans l'idée, il faudrait aussi que je fasse un pont de bois. Je pense que si je fais un pont de bois par ici, on aura déjà quelque chose d'un peu mieux. On va demander à la récolte de cailloux. Ici, il n'y en a plus assez. Ok, ici, il y en a. Le pont de bois, ici, je le fais pour aller chercher les cailloux et accéder à cette zone-là. Ça sera quand même un peu plus pratique, je pense. En termes de nourriture, on est bon. Au niveau des herbes médicinales, on n'est carrément pas bon. Il va peut-être être temps de faire quelque chose. Il faudrait peut-être que je m'attaque aussi aux vêtements. Ce serait peut-être une bonne idée. Oui, je sais que j'ai pas assez de place pour stocker les marchandises. Calme-toi, tu commences à m'énerver. Chasseur-cueilleur, cueilleur-cueilleur. Je regarde un petit peu si là-bas il n'y a pas des fermiers, pêcheurs, fermiers, bâtisseurs. Ok, bûcheron. Bon, il y a toujours un bûcheron à la con. Mais en termes de démographie, en termes de positionnement, on est quand même plutôt sur du pas mal. On est sur du sympathique. Ça semble être à peu près bon. À peu près. Il faudrait qu'ils finissent ça. Il faudrait qu'ils aillent me chercher un peu de pierre. C'est pas dit qu'ils fassent ça tout de suite. Il faudrait pas grand-chose en plus comme de la pierre ici. Alors c'est chiant. Tant qu'on n'a pas les trois ressources de base, le bois et le fer en quantité suffisante, on a vraiment, mais vraiment du mal à avancer. Après, la nourriture, tout ça, ça a l'air de plutôt passer. Peut-être augmenter un petit peu la limite de la nourriture. Je vais passer à 6000. Voilà. En termes de nourriture, on est large, 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 large. Avec beaucoup de poissons. Non, ici, ça avance pas. J'aimerais bien que ça avance un peu. J'ai pourtant donné l'ordre de chercher les cailloux. Oui, j'ai donné l'ordre de chercher les cailloux. C'est caca cette histoire. Qu'est-ce que vous branlouillez? D'habitude, il va chercher des ressources, ok. Nouvelle étudiante, petits étudiants, je commence à en avoir vraiment un paquet. Je commence à en avoir vraiment un paquet. Et là, pour l'instant, je branle rien parce qu'il veut pas aller me chercher cette histoire. Hop. Augmenter la priorité. Voilà, passez-moi en priorité haute. Ah, voilà. Ils arrivent à faire quelque chose. On y arrive plutôt bien. Bon. Ah, bah. Ça commence à marcher. Un travailleur de plus en plus. Je vais laisser un seul bâtisseur parce qu'en fait j'ai l'impression que ça suffit largement. Donc on est bien équipé, j'aimerais bien faire des vêtements quand même un jour. Et de l'alcool, mais de l'alcool ça va être un peu plus compliqué, il faudra plus de champs. Peut-être faire un autre champ par ici d'ailleurs. Ça peut être pas mal. Enfin le jour où j'aurai tous mes fermiers déjà, ça serait cool. 2 sur 15. Écoutez-moi tous ces cailloux là, il y a plein de cailloux qui nous attendent. Ah, c'est des branquignoles un peu. Bon, bah, je vais avancer encore un peu le temps et je vous retrouve une fois qu'on aura fait 2-3 trucs hein, parce que là, ça avance pas cette histoire. Bon, ça y est, tout est fini finalement. On a la grange d'en bas et le pont de bois d'en haut. On va leur demander de récupérer un petit peu les cailloux hein, parce que c'est pas comme si j'en avais plus du tout, mais presque. Donc là, on est plutôt pas mal. On a quand même pas mal de choses en plus. Dans l'idée, il faudrait que j'arrive à me sortir des doigts du cul et faire quelque chose pour ce pâturage. Parce que là, pour l'instant, il fait un peu pitié.
Il fait un peu tiep, comme on dit dans la game. J'arrive même plus à parler. C'est affreux. Alors, qu'est-ce qui me manque? Peut-être une église dans un cimetière. Un cimetière. C'est. On va avoir un gros souci. Le souci du cimetière. Où... 56 quoi. 56 de pierre pour un saloperie de cimetière. Ouah. Ça me fait un peu chier quand même. D'autant qu'on va en avoir vraiment besoin. Toc, je l'ai passé en rapide. Un peu chier. Il me fait carrément chier, ouais, cette histoire. Comptoir de commerce. Parce qu'il me faudrait un cimetière, c'est sûr. C'est sûr, il me faudrait un cimetière. Mais en même temps, c'est tellement. Ouais. 56, c'est beaucoup quand même. Et est-ce que je devrais pas. Je me pose une question actuellement, c'est est-ce que je devrais pas faire une carrière? Parce qu'une carrière, ça peut être super pratique. On va devoir en faire une, ça permet de récolter de la pierre de manière automatique. Pas en allant la chercher quelque part, voilà, à côté. Mais en même temps, ça me fait un peu chier de faire une carrière, étant donné que ça nécessite vraiment beaucoup, beaucoup de personnes pour fonctionner. Et on n'a pas énormément beaucoup de personnes. Mais en même temps, là, je commence à avoir des gens qui servent à rien. Du coup, il faut pas de gens qui servent à rien. On va mettre un atelier de tailleur déjà. Ça me fait penser que j'avais complètement oublié cette histoire. Un atelier de tailleur pour faire des vêtements. Et j'ai de plus en plus d'adultes. Et je suis de plus en plus dans la merde. On va faire aussi un nouveau verger, un nouveau champ. Par 13, 9 par 12, 10 par 12. Ok, ça peut pas être à 16. 14 par 10, je crois que c'est le plus grand qu'on puisse faire. On va faire un autre. Voilà, un petit champ en plus. On va occuper des gens en fait. Là, il faut qu'on occupe un peu les gens-gens. Je peux pas mettre d'autres fermiers? Ah bah oui, j'ai que des courges, ça fait chier. Ok, on va mettre déjà 3 ici. 46 sur 48. Ouais, je pense qu'il va falloir vraiment que je m'engage à faire cette carrière. Pas le choix, pas le choix, pas le choix, pas le choix. On va lancer une carrière. Je mettrai des maisons à côté. Et au final, ça peut être pas si mal en fait. Si on met des maisons ici, la carrière à côté, on sera pas si mal. En plus, merde, j'ai plus de fer. Il a dû tout partir là-dedans. Ouais, bon, vous allez me dire, le fer, j'en trouve partout. Hein. On a plein ici. On a de quoi faire. Haha, jeu de mots de merde. Mais on a encore masse travailleurs. Bah vous allez me dire c'est bien parce que du coup une fois que j'arriverai à lancer cette carrière, et bah on aura quelque chose. On aura quelque chose de vraiment sympa qui sera en route. 37 adultes. On va avoir nos morts. On va avoir nos premiers morts dans pas longtemps. 52. Ouais non c'est des plus vieux et on est qu'à 50. Donc au final c'est pas si mal. On a une très bonne croissance démographique. On va peut-être avoir un souci en termes de combustible. Non ça a l'air d'aller. Sachant que je vais commencer à faire des vêtements. Bon, je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Au pire, je ferai rapidement une petite maison de trucs. Ouais. Et là, on va faire notre deuxième zone médicinale, machin. Ça devrait aller. Donc ça, pas besoin de le construire. Ça va aller vite. Ça, il manque un de... Il manque un de pierre. Ça pour le coup ça va être un petit peu long à faire. 6. Ça nécessite 6 personnes. J'ai mis quoi? J'ai construit quoi? Ça y est, je viens déjà d'oublier de ce que je viens de construire. Autant vous dire que je suis un petit peu tête en l'air. Ah bah oui. Le tailleur. J'ai complètement oublié cette histoire. C'est vrai qu'il y avait le tailleur. Ouais. Bon bah je vais voilà, comme d'hab, je vais laisser un petit peu tourner et je vous retrouve une fois que. Il y a quelque chose où c'est fini.
Donc ça y est, nous avons notre atelier de tailleur, donc il est en train de faire des vêtements, c'est cool. Nous avons une carrière qui est en train de travailler, bon, il n'y a qu'une seule personne, voilà. J'ai fait deux maisons ici, histoire d'être un petit peu tranquille, je pense que ça ira bien pour démarrer. De toute façon, on a besoin des maisons, parce que là, il n'y a plus que 5 étudiants, 5 enfants. Il nous faut un renouvellement démographique continu, sinon on va avoir des problèmes à un moment. Parce que là, ça va, on n'a pas encore des morts, mais quand on en aura, on va moins rigoler. Et donc, c'est important de faire ça. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux pas poser une maison par ici, par exemple? Non? Voilà. Hop, t'as des patients, comme ça ira bien. Je regarde un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas des petits soucis? Là, ça a l'air d'aller. J'ai comme l'impression qu'on est plutôt bon à ce niveau-là. Il faudra vraiment que je fasse quelque chose, par contre, pour la zone la plus au sud. Pas de docteur? Si, si. Ok, c'est bon. Alors, donc, un nouveau tailleur de pierre. Le problème, c'est que les tailleurs de pierre, c'est vraiment, vraiment lent. Donc, va falloir faire en sorte que ça avance vite en augmentant carrément le nombre d'adultes qui travaillent là-dedans. Parce que sinon, ça va être très lent. Je vais augmenter un petit 6 000. Non, je pense que c'est bon. 6 000, c'est bon. On est large. Sachant qu'il va y avoir des récoltes en plus. Ouais, on est carrément large. Reste que là, j'ai pas assez de pierre encore. J'ai pas assez de pierre nulle part. Récoltez-moi ces cailloux. Bon. En plus, il va nous falloir des enfants, donc vite, faites-moi ces maisons. Ils sont juste extrêmement lents à récupérer de la pierre. Toc, un nouveau tailleur de pierre. 4 étudiants, 4 enfants. Mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez d'enfants. Faites des bébés, plus de bébés. C'est vrai que là, on est au max au niveau de la nourriture. Et en même temps, on est quand même plein à craquer. Bon. Les vêtements, ça passe. Eh ben, c'est sans doute une des parties qui se goupille le mieux. On a eu un gros problème de nourriture au tout début, mais là, pour l'instant, c'est tranquille. C'est plutôt tranquille. On arrive pas à. Il n'y a pas trop de problèmes. On arrive bientôt à l'année 10. Et pour l'instant, on n'aura pas eu trop de problèmes. Mais c'est à partir du moment où on va avoir nos premiers décès de vieillesse qu'on va. On va commencer à galérer un petit peu plus. Parce que c'est là où tout va se jouer. Par contre, j'ai vraiment pas assez de saloperie de pierre. Bon. Accélérons un petit peu. Maintenant, encore un travailleur. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Dans l'idée, il faut vraiment que les deux maisons se finissent vite. Pour ça, on va regarder un petit peu. Je vais l'épingler en attendant. Trop de nourriture, tue la nourriture. C'est vrai que j'ai peut-être un peu trop boosté la nourriture. Ça, c'est clair. Mais donc, c'est pour ça qu'on devrait pouvoir s'en sortir avec un petit peu un boost démographique, encore une fois. Mais pour ça, il faut qu'ils se bougent le cul et qu'ils aillent me chercher des cailloux. Ah, bah voilà. Donc là, ça va commencer à construire. On va bien évidemment avoir nos premiers couples qui vont s'installer ici. En plus, ils vont être beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont juste à côté. Un jour peut-être. Quand ils en auront décidé que ça serait le cas. Ouais, ça a l'air d'avancer. C'est le gros problème de jeu, c'est qu'on est vraiment assujetti à la quantité de pierres et de trucs qu'on a avec nous. Alors, forestier et cueilleur, je suis un petit peu déçu quand même. J'aurais aimé un petit peu autre chose. Tailleur de pierre, voilà. Les bons tailleurs de pierre qui sont au bon endroit. Ah non, tu m'abandonnes pas avec, juste avec ça. Voilà, médecin forestier, c'est pas fou non plus. Hop, 5 tailleurs de pierre. Le tout, c'est qu'ils se mettent pas des cailloux sur la figure parce que ça risque d'être le cas. Voilà, donc 40 adultes, 3 étudiants et 4 enfants. On commence à faire des trucs. Ah putain, c'est vrai que les courges en hiver, du coup. Ah oui, non, on est en fin d'automne. Je vais peut-être décélérer un petit peu. On va décélérer. Voilà, là, on est plutôt pas mal. On a nos premiers tailleurs de pierre. On commence à être bien. Peut-être même mettre une nouvelle maison en plus. Ça serait peut-être pas de refus. Parce que comme je dis, on n'a pas assez de gamins. Et là, vous allez voir, ils vont nous faire des petits gamins. Toc, toc, ça va sortir.
Bon, c'est un peu dégueulasse, évidemment, parce que là, c'est 22 ans et 41, on dirait notre président actuel. C'est un petit peu dur. Un nouveau travailleur. En plus, ça va vite. On commence à sortir un petit peu les doigts du derrière, voilà. On va pouvoir encore une fois attaquer cette zone-là, même si je suis... C'est ça, en fait, c'est une colline, donc je peux rien faire dessus. Ouais, bon. Du coup, peut-être dans le prochain épisode, on va essayer plutôt de... Comme on a notre carrière de pierre qui fonctionne bien, je vais réduire un peu le temps, parce que x10, c'est un peu beaucoup. Hop, notre carrière de pierre qui a l'air de fonctionner correctement, notre transition démographique actuelle qui commence à être amorcée, peut-être qu'on se ferait un comptoir de commerce. La question, c'est où est-ce que je vais le mettre? Peut-être par là, du coup. Vu que c'est une colline et que je peux pas m'en servir, autant le mettre par ici. Ce comptoir de commerce va nous servir à récupérer du coup les vaches qui enfin les vaches les bétails qui nous manquent parce que actuellement effectivement on n'a pas beaucoup de bétail et c'est peut-être quelque chose qui nous pourrit un peu la vie voilà donc on fera peut-être ça dans le prochain épisode. Dans celui-là je voudrais au moins finir ce que j'avais dit au tout début en tout cas dans les premiers temps ce petit cimetière. Est-ce que je peux pas faire un 15 par 15? Voilà, cimetière de 15 par 15. C'est parti, fais-moi cimetière. Normalement, on devrait avoir pas assez de cailloux actuellement, mais on devrait avoir de quoi faire des cailloux. Ça devrait aller. Bon, j'accélère un peu le temps et je vous retrouve une fois que ce cimetière est terminé. Youpi! Donc voilà, ça y est, un nouveau cimetière est terminé. Enfin, le nouveau cimetière est terminé. 77 tombes. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est très clairement pas mal. On commence à avoir nos premiers enfants, bon pas partout, mais en tout cas on commence à avoir des enfants, ce qui est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va rester là, hein. Je pense qu'on a fait vraiment pas mal de choses dans cet épisode. Prochain épisode, on fait ce poste de marchandises, enfin poste d'échange, le comptoir de commerce, voilà. On récupère de quoi mettre dans nos pâturages, je pense que ça sera bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne, etc. etc. Vous connaissez un peu la chanson. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.